et que vous avez d'interprétation pour choisir la langue et que vous avez aussi l'application SparkUp pour poser des questions, pour faire des commentaires. Souvenez-vous que vous pouvez télécharger cette application soit en cliquant sur l'image de CQR ou en écrivant l'adresse qui se montre sur votre navigateur. Et au cas où quelqu'un n'était pas rentré dans le SparkUp, on lance une question pour construire un nuage de mots, un mur de mots. Quels sont les mots que vous associez à tourisme durable? Quels sont les mots que vous pourriez associer à ces concepts de tourisme durable? Vous pouvez répondre maintenant par le biais de votre portable. Allez-y. Paraula o expressió, eh? Un mot ou une expression. Souvenez-vous qu'il faut écrire, si vous mettez plus d'un mot, il faut coller les mots ou mettre un trait d'union. Autrement, ça ne fonctionne pas. Entorn, slow, tourisme, tourisme slow, respecte al medi, descoberta, experiència personal. Découverte, expérience personnelle, slow tourisme, tendance d'avenir, sérénité, durabilité, sérénité, tradition. Expérience personnelle, sembla que va en adeptes. Expérience personnelle, apparemment, ça gagne deux points. Repetir nature, effectivement. Lleure. Nature, loisir. Retrouvements, rencontres. Plaer. Plaisir. Patrimoni. Va creixent, aquest núvol va creixent. Bé. Coneixement del territori, humanisme. Bé, jo crec que... Connaissance du territoire, humanisme, tendance d'avenir. Voilà, plein de concepts que nous pouvons ici voir et qui vont nous aider à donner la parole au premier intervenant de cet après-midi. Nous gardons ces murs de mots ou nuages de mots. Et nous commençons. Je vous présente Jordi Tresserras. Il est à présent vice-président de ICOMOS Espagne, à savoir le Conseil national de monuments et en droit. Il est docteur en philosophie et histoire par l'Université de Barcelone, professeur associé de cette université. Il coordonne plusieurs masters et il participe aussi dans différents masters. Et il collabore aussi dans le laboratoire de patrimoine, tourisme culturel et créativité de l'Université de Barcelone. Donc, sans plus, Jordi, vous avez la parole. Sí, hemos mandado una solicitud para activar Jordi, tu vídeo. On vous a envoyé une demande pour activer la vidéo. Je n'ai pas de vidéo, c'est seulement la présentation. Non, pas votre vidéo, votre caméra. Molt bona tarda. Estoy en el aeropuerto, o sea que por eso tengo que utilizar... Je suis à l'aéroport, voilà pourquoi j'ai mon masque. Et justement, je voyage pour participer à une autre réunion d'un projet européen. L'idée est de partager avec vous une présentation pour entamer ce débat à propos de l'artisanat et le tourisme durable, le tourisme culturel et de création. D'une part, c'est significatif puisque le renouvellement de la Charte mondiale de tourisme durable nous montre un élément clé, à savoir l'inclusion de la culture.
Et vous pouvez vous demander pourquoi la culture ne faisait pas partie de cette charte. Eh bien, d'une façon très transversale, mais pas d'une façon spécifique. En 2015, lorsque la charte de Lanzarote a été renouvelée, on inclut le tourisme culturel et de créativité. Et cet élément est important puisque lorsque nous allons parler du tourisme d'artisanat, nous allons voir qu'à présent, lorsque nous parlons d'interaction, justement, le tourisme artisanal donc joue un rôle important. Et si nous parlons du patrimoine culturel, matériel, immatériel, les arts et les industries culturelles et créatives, c'est essentiel puisque nous parlons du patrimoine des personnes qui sont liées à l'industrie culturelle. Enfin, nous parlons du tourisme durable et évidemment, il faut citer les ODD, les Objectifs de Développement Durable. Vous les connaissez sans doute et cette année-ci, nous sommes dans l'année de l'économie créative et le développement durable. Donc, je pense que ce projet finit dans un moment intéressant et il est essentiel de savoir que tout ce qui est lié à des industries culturelles et créatives qui est impulsé à partir de l'UNESCO et aussi l'organisation du tourisme. Mais il faudrait encore construire davantage de ponts. Il y a 3 objectifs que je vous propose ici afin d'approfondir, puisqu'ils sont les objectifs qui sont plus liés avec les ODD et l'artisanat. Le premier est le fait que l'artisanie doit permettre un travail décent pour toutes les personnes qui le mettent en avant. L'objectif 11 nous parle de la protection du patrimoine culturel et naturel. Et l'objectif 12 parle de garantir des modèles de consommation et de production durable, surtout lorsqu'il s'agit de promouvoir la culture, les produits locaux et l'occupation, l'emploi. Moi, dans ma présentation, j'ai donné aussi quelques textes, je ne vais pas parler de trop, mais je crois que c'est important de souligner que lorsque nous parlons de tourisme créatif, il faut faire la différence entre l'artisanat en tant qu'activité de création, par exemple des gens qui suivaient une route d'artisanat ou qui allaient acheter un magasin d'artisanat, mais je crois que le pari arrive lorsque l'artisanat fait partie de, je veux dire, quand la créativité devient une activité. Il peut y avoir différentes possibilités. Par exemple, moi, je vis à Tossa de Mar, à la comarque de la Selva. Et on a parlé aussi de Saint-Hilary-Sacalm. Eh bien, Saint-Hilary-Sacalm travaille la tournerie et nous sommes aussi dans un programme de promotion touristique. Donc, en fait, on peut faire en sorte que les deux éléments aillent de pair. Donc, ce n'est pas seulement une question de éco-branding, mais de l'artisanat avec identité. Nous parlons aussi de propositions où il y a un contact avec les personnes créatrices par le biais de pôles, de clusters ou de pôles qui peuvent être liés à une activité ou à plusieurs activités. Il est intéressant aussi de parler, par exemple, de guides spécialisés, de personal shoppers qui accompagnent des personnes à acheter des produits d'artisanat. Et un des sujets, par exemple, qui a été abordé, c'est aussi les ateliers, par exemple, ouverts au public. Et ici, nous avons une troisième ligne de proposition, à savoir l'apprentissage. Il y a des personnes qui sont intéressées à suivre des cours, des ateliers amateurs ou professionnels. Dans ce sens,
il s'agit de touristes de longue durée. Enfin, de longue durée, il peut y avoir des ateliers d'un jour, d'un week-end, une semaine ou même de 15 jours ou un mois. Et donc, je pense que c'est important aussi de mettre en avant ces types d'ateliers, surtout ceux qui peuvent durer plus longtemps. Bien entendu, aussi, l'expérimentation des traditions culturelles dans un endroit, soit individuel ou collectif. Nous venons de perdre un peu le contact avec l'intervenant. Il y a un problème de réseau et nous avons le son qui se coupe. Vemos también, por ejemplo, nos encontramos con el tema de la exhibición del talento, que serían las... Nous voyons, par exemple, aussi l'exhibition du talent, tant dans un endroit fixe que dans d'autres endroits, et l'idée de la promotion, de la création d'une destination selon le caractère identitaire de l'endroit en question. Bien évidemment, puisque moi je combine ce travail avec... j'ai travaillé pour une ONG, mais j'ai travaillé aussi pour l'UNESCO Mexique depuis ici, et nous sommes en train de promouvoir les réseaux justement créatifs. Il faut, moi je pense que le tourisme créatif peut permettre de nouvelles opportunités, pas seulement pour les activités qui visent seulement pour différentes activités, et j'ai fait un choix de différents projets dans lesquels j'ai participé. Par exemple, je pense que c'est bien de créer des catalogues d'expériences. Nous avons travaillé à Tiwanap, une population qui se trouve au sud-est du lac Titicaca, et dans toutes les activités, on a rencontré les artisans de pierre qui travaillent dans les Catanianes, c'est-à-dire dans les chemins principaux andins. Évidemment, ce travail artisanal... les gens ne partent pas avec les pierres. Donc, ces populations qui représentent vraiment un élément intéressant. Donc, montrer, par exemple, des expériences avec des talliers de plusieurs heures, 6 heures, par exemple, où les gens peuvent participer avec... avec ces spécialistes de la pierre, ces tailleurs de pierre pour faire cette expérience. Encore un autre exemple qui me semble avoir un grand potentiel sont les hôtels culturels, ces hôtels qui visent le patrimoine, l'artisanat, les arts et la gastronomie. En Catalogne, par exemple, nous avons une marque d'hôtels culturels qui fait partie de la marque Art et Culture de l'Agence catalane de tourisme. Mais c'est encore un sujet pour développer un peu plus. La différence entre un hôtel culturel et un autre, d'un hôtel standard, pour ainsi dire, est que l'hôtel culturel vise sur la culture en tant qu'élément d'identité. Il propose des activités et il vise surtout la responsabilité culturelle entrepreneuriale dans laquelle l'artisanat ferait partie. Donc, des hôtels qui font des expositions, qui incluent de l'artisanat, et parfois c'est l'hôtel lui-même qui peut devenir presque un magasin ou un catalogue. Par exemple, nous avons travaillé ces cas au Pérou, Cusco. Il s'agit là d'un hôtel qui appartient à une chaîne internationale, mais qui travaille justement l'hôtel artisanal. Donc, on a récupéré l'artisanat néocolonial. Ils ont un concierge culturel, une personne qui reste donc à l'écart du front desk de la réception générale, et ces concierges donc est habillé avec
des habits conçus avec des brodés artisanaux pour faire ce lien avec la tradition et l'innovation. Il y a d'autres hôtels qui n'incluent pas seulement l'artisanat lié aux souvenirs pour les visiteurs, mais même dans le design des nouveaux équipements. Nous voyons ici un hôtel caché qui fait partie de la chaîne Design Hôtel du Mexique, où il y a aussi la participation de plusieurs artisans. Et il ne s'agit pas seulement des artisans, disons, menuisiers ou qui travaillent les cuirs ou les bijoux ou les métaux, mais ou les teintures dont on parlait avant, ou dans l'élaboration d'artisanat alimentaire, gastronomie. Nous voyons ici un autre hôtel, l'hôtel Punta Islita, au Costa Rica. Tout l'hôtel a eu un élément différentiel qui est justement les éléments artisanaux. Et dans la chaîne, nous voyons que tous les éléments de l'hôtel donc, ont été travaillés avec la communauté et tout est à vendre. Il y a un catalogue où les participants peuvent participer. Donc, nous avons un autre exemple en Équateur, dans la place de San Francisco, qui est patrimoine aussi mondial. Dans les chambres, on a travaillé avec des artisans et des concepteurs, des dessinateurs. Il y a ces paris sur la gastronomie locale et alimentaire. Et tous les jours, le chef et les sous-chefs vont au marché et les personnes qui sont logées peuvent aller même avec eux pour choisir les aliments. Ce qui est important est que dans la ligne de responsabilité sociale de l'hôtel, ils ont inclus les artisans qui travaillent dans le milieu avec des routes artisanales qui visent pas seulement les touristes qui sont logés à l'hôtel, mais aussi la communauté afin que tout le monde connaisse les différentes caractéristiques. Nous voyons par exemple ici une route pour visiter un chapelier artisanal ou par exemple les gens à Quito, à Pâques, se promener avec des bouteilles d'eau et ce qu'ils ont fait est changer les termes. Les termons et couvrir les termons avec de l'artisanat propre pour couvrir les termons. Et de cette façon, donc, ils sont devenus un souvenir. Et pour finir, je voudrais parler de l'importance des plateformes de commercialisation. Pilar m'a dit que vous étiez en train de travailler sur quelque chose de ce genre pour rendre plus visibles vos activités. Eh bien, moi, en plus des plateformes que vous connaissez, moi, je pense aussi à des liens qu'on peut faire au niveau global. Par exemple, dans les cas de TripAdvisor, qui ont leur propre agence, qui tente aussi de promouvoir des activités. On a parlé avant du cas de Bergen. À Bergen, il y a toute une série d'initiatives qui sont promues par TripAdvisor et qui peuvent être commercialisées à partir de TripAdvisor. Mais il y a Olana aussi, une entité artisanale qui fait partie d'un réseau qui s'appelle Economusée, une proposition qui est sortie du Québec, du Canada et qui s'est élargie au Canada et dans d'autres pays du nord de l'Europe. Je crois que c'est vraiment un sujet important pour avoir des bonnes pratiques. Et dans les cas d'Oleana, ils pensent que TripAdvisor n'est pas une bonne possibilité pour leur modèle de travail, mais ils font partie du catalogue, mais ils préfèrent que le contact soit direct et pas au sein de TripAdvisor. Donc, il s'agit des alliances de promotion et chaque communauté peut quand même choisir un cas ou l'autre. Dans le cas de Bergen, le fait d'avoir choisi ces expériences qui sont dans le catalogue leur permet aussi de réduire les coûts pour les petites entreprises qui offrent ces activités.
una reducción a veces del, del 10%. O sea, avec une réduction, parfois, un décompte de 10%. Parfois, pour faire partie du catalogue de TripAdvisor, il faut leur donner une commission de 20%. Dans ces cas, ils ont réussi à donner un 10. Et il y a aussi Airbnb avec des expériences liées à l'artisanat. Et dans le cas de la pandémie, ils ont décidé d'ouvrir aussi des expériences online. Et il y en a plusieurs liées à l'artisanat. Et encore une autre plateforme globale, Amazon, qui pose des conflits parfois pour la question de la globalisation. Amazon a créé une ligne qui s'appelle Amazon Fait à Main. Fait à la main pour promouvoir justement l'artisanat. Et dans les cas de Mexique avec lesquels nous travaillons, avec Fonart, qui est le fonds national pour mettre en avant l'artisanat, on a travaillé pour réduire les marges de bénéfices que remportait Amazon pour avoir leur portail au sein d'Amazon et surtout pour des artisanats qui se transportent difficilement, par exemple des tapis, des vaisselles, des éléments qui peuvent être compliqués si on ne voyage pas en voiture, par exemple. Avec ce type d'artisanat, on a contribué à ce que si les touristes visitent un espace et ils l'aiment bien, donc des pièces un peu grandes, par exemple, comme les linges de maison, etc., et qu'il y ait le transport d'Amazon qui aide. Et finalement, je souhaite vous dire que nous sommes en train de travailler avec deux autres projets de la Commission européenne à Cuba, Cienfuegos, c'est un exemple, et nous sommes très intéressés aussi à faire en sorte que quelqu'un du projet Copart puisse expliquer l'expérience de Copart comme une ligne de transfert des projets de bonnes pratiques financés par l'Union européenne. Et voilà, j'en reste là. Merci beaucoup. Moltes gràcies, Jordi. Jo crec que entomem aquest últim repte que plantejaves en relació. Merci beaucoup. Merci pour tous ces commentaires par rapport donc à ces projets dans le cadre du Copart. Merci aussi parce que vraiment toutes ces expériences internationales sont toujours très intéressantes. Essayez donc d'ouvrir nos esprits un petit peu à tout ce qui se fait à l'extérieur. Il y avait une question, mais vraiment nous avons beaucoup de retard, surtout parce que nous avons une équipe d'interprètes et elles ont donc des engagements à tenir après notre réunion. Mais donc une question très rapidement. Pouvez-vous nous dire si les si ces pesantas font partie aussi des biens culturels? Nous sommes désolés, nous n'avons pas bien entendu la question, mais le monsieur dit qu'il va répondre sur le chat. Bien, parfait. Alors, nous allons passer au deuxième bloc. Le bloc qui est constitué par... Je pense que c'est un bloc qui se centre sur le projet de formation et de conseil auprès des artisans et artisanes par rapport aux produits touristiques. Comment transférer le produit artisanal en une expérience touristique? Il y a d'abord Christine Milleson et Christelle Valençard, représentante d'AMEAD, l'Académie des métiers d'art de la création et du design en France. Et après, nous passerons la parole à Mary Chey de Activa Prospect. Mais d'abord, Christine Dubuisson et Christelle Valenza qui vont nous parler d'AMEADE et qui vont nous parler de ce lien entre l'artisanat et le tourisme durable. Je ne sais pas si c'est Christelle ou Christine qui va commencer. C'est Christelle qui commence. OK.
Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Christelle Valenza de l'agence AMEAD. Nous allons vous présenter en fait le compte-rendu d'un parcours de 6 workshops que nous avons menés donc, dans le cadre du projet Copart avec des entreprises métiers d'art, donc sur le sujet de l'artisanat d'art et du tourisme durable. Effectivement, c'était des workshops pour en fait accompagner les entreprises dans la mise en place d'une offre de tourisme durable. Nous étions donc 4 personnes mobilisées sur ces workshops. Christine Dubuisson, cofondatrice d'AMEAD, mon associée, qui prendra le relais dans la deuxième partie de la présentation. Moi-même, et puis également Inma Balbé du cabinet DCB et Christophe Delaunay de l'agence Passerelle. Les artisans qui ont participé au parcours en fait, ont sélectionné les workshops auxquels ils souhaitaient participer. En totalité, nous avons donc rencontré 14 entreprises qui ont suivi les parcours. Donc, certains ont participé à tous les workshops, mais ce n'était pas une obligation. Ils ont en fait choisi. Les projets des participants étaient autour de 3 axes. La mise en place de stages au sein de leurs ateliers, la mise en place de visites d'entreprises et également la création de produits touristiques, on va dire, plus physique. Alors, pour commencer, moi, j'ai animé les 3 premiers ateliers et le deuxième, je l'ai animé avec Inma, qui m'a accompagnée sur la deuxième journée. Et lors donc de cette première journée, nous avons travaillé sur la rencontre entre la cible et l'offre touristique, parce que évidemment, avant de commencer à construire une offre touristique, enfin une offre, quelle que soit d'ailleurs l'offre, il faut dans un premier temps bien sûr, connaître sa cible et travailler sur sa cible. Donc, nous avons amené les entreprises à réfléchir en fait sur leurs clients touristes actuels, donc de faire, d'analyser si déjà dans leur clientèle, ils avaient ce profil de clientèle. Et souvent, en fait, en réfléchissant, ils avaient des clients touristiques, mais n'en avaient pas forcément conscience. Ensuite, dans un deuxième atelier, pour aller plus loin, nous avons travaillé sur la construction de personas, c'est-à-dire travailler sur des segments en fait, de clientèle, mais que nous avons personnifiés à l'aide de fiches et de photos, hein, même pour vraiment que les entreprises puissent se projeter dans la construction de l'offre et en se disant quand je vais construire mon offre, je vais m'adresser à un tel ou à un tel et qui a tel type de problématique à résoudre, donc soit dans le cadre de ses vacances ou de ses week-ends, etc. Et on verra que ça a fait émerger des choses intéressantes. Et puis ensuite, nous avons travaillé dans le cadre de 2 autres ateliers sur les valeurs transmises par les métiers d'art. Donc là, c'était un atelier collectif. Et puis également un atelier sur les valeurs propres à l'atelier, et donc c'est-à-dire au chef d'entreprise et à sa production en fait. Qu'est-ce qu'il mettait comme valeur dans tout son travail pour tout ça dans le but de faire émerger en fait du vocabulaire pour arriver à valoriser en fait cette offre plus tard dans la rédaction en fait de contenu de communication. Le résultat donc en fait de ce premier workshop, ils ont rédigé plusieurs fiches, 2-3 fiches selon les ateliers, mais surtout ce qui était très intéressant, c'est que ça a permis de mettre en évidence en fait des profils de visiteurs ou de stagiaires pour les offres de stage auxquels ils n'avaient absolument pas pensé, et du coup d'adapter en fait des formules de stage pour ce profil donc de stagiaires, parce que des fois ils avaient pensé qu'à des stagiaires qui seraient venus une journée ou une semaine, mais pas au tourisme durable, mais proche au touriste qui est à côté de chez eux et qui peut venir à un autre moment. Donc ça, c'était pour la première journée. La deuxième journée, nous avons travaillé sur vraiment la logique de tourisme durable et fait travailler les entreprises sur l'analyse des ressources de l'entreprise et des gestes déjà qu'elle avait en faveur du développement durable, toujours pour pouvoir
valoriser en fait ces éléments-là ultérieurement. Nous avons également demandé aux entreprises d'inventorier, de recenser toutes les ressources sur le territoire, dans l'environnement en fait, hein, proche. Que ce soit aussi bien au niveau du patrimoine que de l'histoire avec un grand A, mais peut-être aussi de la petite histoire locale, mais également de l'hébergement, de la gastronomie, de tout ce qui pouvait être mis en valeur également dans leur communication pour communiquer autour de leur projet d'offres touristiques. Et puis enfin, dans un troisième atelier, en compagnie de Inma Balbé, du cabinet des CB, nous avons fait travailler les entreprises sur l'orientation que pouvait prendre leur offre touristique et voir qu'est-ce qu'ils étaient à même de pouvoir proposer, voire de construire une offre touristique également avec d'autres prestataires d'offres touristiques pour faire un produit intégré. Et puis, dans la dernière journée que j'ai animée, nous avons travaillé sur les contenus de communication travailler sur la diffusion. Sur ces contenus, nous avons travaillé sur la recherche de vocabulaire sensoriel pour faire ressentir à ces touristes en lisant les plaquettes qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir vivre comme expérience. Donc on était vraiment là sur la recherche de l'expérience au sein des ateliers, de l'expérience de stage, de l'expérience de visite, mais aussi de l'expérience du toucher et de l'émotion que pouvaient susciter les pièces qu'ils auraient créées. Et puis, nous nous sommes attaqués à l'exercice difficile de la rédaction de l'offre de stage. Alors, nous avons concentré notre travail sur une offre de stage puisque majoritairement, l'ensemble des participants avaient tous envie de créer une offre de stage sur ce workshop 3. Donc, nous nous sommes centrés sur cette activité-là. C'était une activité extrêmement intéressante, notamment parce que ça leur a permis de rédiger plusieurs offres de stage, mais surtout ça a permis en fait à des entreprises qui pensaient ne pas avoir la capacité de valoriser et d'écrire surtout ce qu'elles pouvaient offrir comme stage, de rédiger vraiment des offres de stage très très intéressantes et très motivantes et très séduisante. Voilà. Ensuite, j'ai passé le relais à Christine Dubuisson qui a animé les trois jours suivants et qui va vous présenter la suite. Je vais arrêter de partager pour qu'elle puisse partager son diaporama directement. Je vous dis merci et au revoir. Alors, je vais reprendre la suite. Pardonnez un secondet, només si que us demanaria. Oui, une seconde, s'il vous plaît. Je vous prie, s'il vous plaît, d'être synthétique parce que les interprètes devront partir à l'heure prévue. Merci. D'accord. Donc, Christine Dubuisson. Je suis Christine Dubuisson. Je prends la suite donc de Christelle par rapport à notre expérience de ces 6 workshops. Donc le 4e workshop, j'ai donc animé les 3 derniers, et le 4e donc a porté sur les supports de communication pour valoriser l'offre touristique. Au cours de cette journée, nous avons évalué les outils existants des entreprises, tant sur le plan outils web que print. Le but étant d'opter pour des supports de communication adaptés à une clientèle touristique et le plus souvent donc d'élaborer de nouveaux supports de communication. Nous avons ensuite travaillé sur le thème du packaging, d'une part pour la présentation des produits touristiques, produits physiques, mais également pour la présentation des offres de services telles que stages ou visites d'ateliers. Donc concevoir par exemple un bon, des flyers qui peuvent s'insérer dans une boîte, qui peuvent être envoyés éventuellement par la poste. Et là, on a vu aussi l'importance des matériaux de ce packaging, donc qui ont une importance sur l'image de l'entreprise en termes de développement durable, de qualité, produits localement, etc. Et cette valorisation de l'offre permet également une meilleure acceptabilité du prix.
Donc, le prix, c'est toujours le nerf de la guerre et il s'agissait de définir un prix rémunérateur pour l'entreprise, couvrant ses temps de travail, les matériaux utilisés, par exemple, dans le cadre des stages, mais également de tenir compte aussi de l'acceptabilité du prix par le client et donc de s'inscrire dans le prix du marché, ce qui a conduit les participants à mener un benchmark des offres de stages notamment. Dans le cinquième workshop, nous avons travaillé sur la diffusion de l'offre touristique. Et donc, dans un premier temps, les participants ont donc cartographié les partenaires potentiels, institutionnels, privés, ce qui nous a permis de mieux comprendre la notion de réseau et d'identifier ces acteurs qui composent le réseau. Nous avons également abordé les différents réseaux de diffusion qu'il est possible d'utiliser pour l'offre touristique, aussi bien des réseaux Internet que des réseaux physiques. Dans un deuxième temps, nous avons travaillé l'argumentaire pour travailler avec les offices de tourisme et il s'agissait de repérer leurs freins et d'argumenter l'offre, ce qui nous a permis aussi d'aborder les stratégies de partenariat pour démultiplier la visibilité. Ensuite, les entreprises ont défini leur plan d'action commerciale à mettre en place, donc qui devait-elle contacter, comment et à quel moment. Dans un dernier temps, dans ce workshop, les entreprises ont construit, co-construit un annuaire de diffuseurs potentiels. Donc ça a été un point très intéressant. Elles ont pu partager leurs travaux et donc tout le monde a pu bénéficier des recherches de chacun. Dans le workshop suivant, on a travaillé là sur l'accueil sur le lieu, l'accueil à l'atelier. Et donc, chaque participant a pu réfléchir à la structuration de son espace pour recevoir du public touristique. Donc, les lieux de stage, les lieux de production, de démonstration de savoir-faire, de vente, ils ont été identifiés et un circuit donc, a été mis en place. Tous les éléments également d'accessibilité, de normes, notamment pour l'accueil du public, ont été brossés et chacun a pu bâtir sa feuille de route sur ces sujets-là. Et chaque entreprise a également travaillé sur son discours pour l'accueil de la visite d'atelier afin de conduire une visite et captiver le public, mais aussi de proposer sa production à la vente ou inciter éventuellement, en fonction de l'activité de l'entreprise, inciter donc le client à passer commande. La dernière étape a consisté à définir et agencer un espace de vente, donc les règles en jouant en fait sur les règles de la scénographie, et donc de faire également des fiches de stage qui ont été conçues pour mettre à plat les objectifs, les prérequis et les découpages d'activités avec le temps qu'elles pouvaient y consacrer. Donc, certaines entreprises ont modifié le parcours de visite de leur entreprise, d'autres ont repensé l'agencement pour l'accueil des stagiaires et ils ont plus particulièrement réfléchi à un espace de vente et d'exposition au sein de chaque atelier. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vais partager mon écran, voilà. Molt bé, moltes gràcies, Christine. Parfait, merci beaucoup, Christine. Nous allons devoir tous synthétiser, malheureusement. Bien, nous allons maintenant expliquer comment, après ces sessions de formation et les sessions donc offertes par la MEAD, vraiment vous avez essayé d'accompagner un groupe d'artisans et d'artisanes surtout en pensant à cette création concrète de produits touristiques. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui Meritxell Savall avec nous qui va nous expliquer aussi son expérience. Meritxell, quand tu veux.
No se't sent, Meritxell. Ara se'm sent? Ara. Vale. Perfecte. Bona tarda a tothom. Intentaré ser breu. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être bref. Et avec cette intervention, on voulait expliquer un peu l'action d'accompagnement dans la création et commercialisation d'expériences touristiques. On a travaillé dans les cadres de COPART pour mener à bien cet accompagnement dans le but de donner une visibilité et qu'on puisse voir comment l'artisanat artistique contribue aussi à la commercialisation touristique. Excuse-moi, maintenant ça marche. Donc, les facteurs dont, qu'on a pris en considération et avec lesquels nous avons travaillé donc, sont celles qui suivent les tendances de tourisme créatif et de nouvelles formes de consommation qui sont plus durables en mettant en valeur la singularité du travail et du milieu où elle se trouve. Et on a proposé aussi de mettre l'accent sur la relation des agents du territoire. Une expérience touristique est n'importe quelle activité adressée aux visiteurs, aux curieux qui veulent donc avoir une expérience propre dans les cadres de l'artisanat. On parle de visites guidées, d'ateliers, de cours, de séjours, d'expositions. Donc, tous ceux qui permettent de connaître et de partager de première main la passion des artisans pour leur métier, tel que Jordi Treseras a déjà expliqué. Cet accompagnement, néanmoins, a été un processus où l'on a réalisé plusieurs actions depuis une étude de marché en 2019 où on a tenté de définir les concepts de tourisme expérientiel, créatif, slow et toujours durable. On a donné des exemples et en plus, il y a eu donc la collaboration avec plus d'une vingtaine de professionnels. Au début de 2019, on a créé aussi un workshop, un atelier à la Bisbal où on a partagé des connaissances, des présentations et où on a participé, où il y a eu la participation d'une soixantaine de professionnels. Tout au long de séminaires, on a organisé des séminaires, des cours, comme Christelle disait, et finalement, on a fait aussi des séances individualisées. Ici, nous pouvons trouver toute l'information par rapport aux séminaires qui ont été organisés sur le site web de poctefa.copar.eu dans la section documentation. Pour ce qui est des formations individualisées, comme Berta disait, il y a eu la participation d'une vingtaine d'entreprises tant en Catalogne qu'en Occitanie et ces séances individualisées donc ont tenter de mettre en avant le travail artisanat malgré les COVID. On a analysé par exemple le site web, les fiches qui au préalable avaient été travaillées comme Christine et comme Christelle disait. Les séances individuelles online donc, ont permis d'identifier les points forts. On a fait un travail conjoint pour aider à la commercialisation de l'expérience. Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec la commercialisation de l'expérience? Qu'est-ce qu'on veut comme but? Et donc, il y a toute une série de recommandations et de soutien aux artisans. On a donné une visualisation pour permettre de voir quelles sont les entités et les auteurs qui peuvent soutenir les promotions des expériences touristiques d'artisanat dans le territoire. Et dans tout ça, il y a eu un retour de texte et de photos de la part de l'artisan et validation du matériel pour inclure toute cette information sur le site web de la route transfrontalière d'artisanat. Après ces projets, on peut dire que nous avons travaillé, nous avons publié dans cette route transfrontalière d'artisanat que vous pouvez voir sur routecopar.com, plus de 60 expériences, des 42 artisans différents. On travaille pour avoir le site en quatre langues,
et 40 artisans, 40 artisans donc, se sont inscrits au site web aussi, sont enregistrés au site web. On est en train de travailler aussi sur un dossier professionnel de présentation des différents territoires qui nous semble un outil important afin de diffuser différentes plateformes aux différents artisanats. Donc, il s'agit, comme Jordi Tresserras disait, de chercher toujours des alliances et des partenariats. Nous avons donc ici un des résultats les plus récents du site web, dans ces cas, des fiches des expériences proposées. Nous voyons ici le détail des fiches des expériences proposées. Et finalement, je souhaite dire qu'avec le matériel et les connaissances acquises, c'est le moment d'encourager le lien avec les participants. Voilà, ça c'est la fin de mon intervention. Merci beaucoup de votre attention et merci. Merci Meritxell. Nous attendons aussi que le processus de vaccination nous permette tout de même d'activer toute cette relation avec les visiteurs. Ça a été vraiment une année vraiment très, très dure. Et donc, c'est très positif d'avoir tous ces artisans qui ont participé puisque ça a été une année vraiment très compliquée, surtout lorsqu'on parle de tourisme. Donc, on espère qu'on vise déjà la porte de sortie. Avant d'expliquer plus en détail maintenant la route transfrontalière de métiers artistiques de Copart, on voulait avoir le témoignage de deux artisanes qui ont participé à ces formations et à ces conseils. Nous avons en direct Pinela Nescala de l'atelier textile, une artisane créatrice textile qui vit dans les Pyrénées orientales. Vous avez la parole. Bonjour et bon après-midi aux amis du Sud. Je m'appelle l'atelier textile Agnès Calas. J'ai une formation de designer textile spécialisé en tissage et j'ai ouvert mon atelier en 2010. Donc pendant ces 11 années, j'ai acquis une expérience en travaillant en production pour d'autres designers, pour des projets de décoration ou de défilés pour des maisons du luxe. Et puis, j'ai eu besoin de développer mes propres créations et de sortir un peu de l'atelier pour travailler avec d'autres artisans, notamment une relieuse, une costumière, entre autres. Voilà, je suis adhérente à Atelier d'Art de France depuis 2017, ce qui m'a permis d'affiner mon projet d'entreprise artisanale et de me concentrer sur l'univers de la décoration, en suivant notamment des formations. Et fin 2018, donc la CEMA m'a proposé de participer au projet Copart. Et donc j'ai démarré avec la première session Fab Lab de Foix, où j'ai commencé à expérimenter en fait avec la laser des découpes de trames en liège en vue d'un échantillonnage et d'une production. Alors je vais essayer de partager quelques images. Je ne sais pas si ça marche. Là, on voit votre image, c'est bon. Alors, je vais le mettre en grand écran, peut-être. C'était en grand écran ou pas ? On le voit suffisamment bien. D'accord. Donc voilà, là, c'est un peu mes recherches avec les découpes de liège. Donc ça, c'était une partie des choses que j'ai pu faire au Fab Lab de Foix. Et je suis actuellement en phase de prototypage pour du siège. Donc là-bas, très bénéfique pour moi pour deux points, surtout au niveau créatif pour explorer des nouveaux outils et au niveau relationnel car j'ai pu lier des liens avec d'autres artisans et collaborer avec certains. Au Fab Lab, j'ai pu aussi développer des outils de présentation comme là sur la ligne de
C'est une ligne développée autour de la teinture artisanale et du tissage shibori. Donc, j'ai pu un peu affiner ces outils-là de présentation un peu plus professionnelle et bénéficier donc du regard d'autres artisans et de l'équipe des imaginations fertiles pour continuer la réflexion un peu commencée sur mes gammes de produits. Voilà, donc j'ai donc lié des relations avec d'autres artisans. Ah oui, et aussi au Fab Lab, j'ai pu aussi, grâce à mon compagnon, aussi produire une pièce pour informatiser mon métier ratière, qui était au préalable mécanique. Donc cette pièce-là, qui est en haut du métier, a été fabriquée avec la fraiseuse numérique du Fab Lab de Foix. Et donc, ensuite, j'ai participé à la deuxième partie du projet Copart sur le développement des offres touristiques et continué donc à lier des liens avec d'autres artisans, donc en particulier avec Claire Bobby des ateliers de céramique Saint-Vicens à Perpignan, avec qui nous avons entre autres fait un petit objet pour fêter la fin du premier confinement. Donc, qui mélange céramique et tissage. Voilà, en fait, cette deuxième partie qui était... alors, je vais juste arrêter de partager ça. Et cette deuxième partie sur les offres touristiques expérientielles, j'y allais un petit peu dubitative. Et finalement, un petit peu en touriste. Et finalement, c'est une partie qui m'a beaucoup apporté, surtout sur le côté commercial et marketing qui n'est pas vraiment mon point fort. Voilà. Et donc, j'ai pu travailler, comme l'a exposé tout à l'heure l'ont exposé Christelle et Christine, toute une partie sur de communication, tous mes outils de communication. Donc, je vais essayer de vous partager. Donc, on en a vu une partie tout à l'heure, voilà, que Christine avait démarré aussi dans son partage. Donc, voilà, j'ai surtout travaillé pendant le premier confinement la partie com papier en flyer qui existe en français, en catalan, en castillan et en anglais. Donc, vous pouvez trouver en lien sur mon Facebook Atelier Textile à Mescalas. Voilà, il me reste encore beaucoup de travail à faire sur la partie site, ce qui est en construction pour l'instant. Excusez-nous, Agnès, juste il y a les pages qui sont en train de grincer contre le micro. Juste maintenant, si vous voulez. Voilà, voilà. Merci. Donc ensuite, j'ai beaucoup travaillé toute la partie réseau, notamment réseaux sociaux. Je développe d'ailleurs presque une petite allergie maintenant. Je commence à faire une petite intolérance. mais ça a quand même un côté positif parce que je commence à en voir les retombées malgré les confinements successifs qui ralentissent un peu ces propositions touristiques. En fait, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté ça ralentit et de l'autre côté ça attise aussi l'envie des gens d'avoir des expériences réelles. En fait, je pense que cette activité de transmission et de vulgarisation, elle est vraiment importante autour des métiers d'art pour aussi éduquer le consommateur, que c'est vraiment une partie très importante en parallèle de notre côté création de produits, ça se complète. La limite que j'ai trouvée un petit peu à cette formation, c'est ben, que je fais avec les moyens que j'ai, donc avec mon atelier. Donc, c'est un petit peu la limite et physique, en fait. Dans mon atelier, je ne peux pas accueillir beaucoup de stagiaires à la fois. Donc, c'est un petit peu ça, la limite de l'exercice. Et d'où l'importance de l'investissement de mairie ou
ou d'aide plus institutionnelle pour des locaux peu chers, dont on parlait ce matin. Et j'ai aussi quand même commencé à avoir des différentes retombées, des contacts presse, suite à ce qui avait été développé pendant la formation. Même si c'est des fois un peu difficile à vivre d'être sous les projecteurs ou bien de lire des propos complètement déformés de ce qu'on a pu échanger avec les journalistes. Voilà. En tout cas, je remercie les équipes des CMA et notamment celle de Perpignan de m'avoir accompagnée pour tous ces développements. Et si je devais donner des idées d'action future, ben, ce serait un petit peu en lien avec aussi ce qui a été dit ce matin par l'Hélène Paysanne, enfin, dans le reportage sur l'Hélène Paysanne. C'est vraiment... ce serait intéressant de travailler sur toutes les filières de production de matières premières locales et des différents partenariats qui pourraient être mis en place entre les artisans et peut-être des producteurs locaux de préférence. Merci. Molt bé, Agnès. Molt bé, Agnès. Recollim aquestes propostes de futur i moltíssimes gràcies per ser aquí, pel teu testimoni, que crec que és va molt bé per veure, no?, una mica l'utilitat, on van a parar. Merci beaucoup pour votre témoignage, ça va très bien pour savoir où vont ces projets et où allons-nous. Donc, maintenant, nous allons passer les témoignages à Anna Tàrrega, une artisane qui est installée à une municipalité catalane de la province de Barcelone, pas très loin de Barcelone. Et Anna, récemment, donc, commence une activité touristique basée sur la teinte de tissu par le biais de produits naturels. Alors, Jonathan, dès que vous voulez rentrer à la vidéo, allez-y. Bonjour, je suis Anna Parrega et je travaille dans le secteur textile depuis 25 ans. Un textile qui est agressif d'un point de vue commercial et ça faisait très longtemps que j'avais besoin de connecter ma façon de vivre, mes envies, mes souhaits avec ma vie personnelle. Voilà pourquoi j'ai commencé à faire de la recherche pour voir comment travailler le textile d'une autre façon, plus durable, plus naturelle. Et j'ai commencé à faire de la recherche à propos de teintes naturelles. J'ai fait plusieurs cours. J'ai commencé à pratiquer l'écoprint et je suis tombée amoureuse de tous ces processus. J'ai monté un atelier chez moi et ça fait des années que j'y pratique. À cause de la pandémie, j'ai pu avoir beaucoup plus de temps à la maison et j'ai pu consacrer l'énergie suffisante pour un projet. Je ne suis pas constituée encore comme entreprise, mais c'est un processus. À Noël, je crois qu'au mois d'octobre, j'ai commencé à faire partie d'une association d'artisans de cette zone de la Noia. Et j'ai pu donner de la forme à ce que je veux que ce soit mon projet. Et par ce biais, j'ai appris, j'ai obtenu beaucoup d'informations d'autres associations et des projets donc, des projets qui commençaient à prendre de la forme en Catalogne. Et un des exemples serait Copart. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite pris contact pour faire partie du projet. Ça a été une expérience super intéressante. D'une part, parce que cela m'a donné la force
pour aller de l'avant avec tout ce que j'étais en train de faire, pour me sentir sûre, pour être rassurée avec mon projet. Et deuxièmement, parce que cela m'a ouvert une porte pour sortir du travail de l'atelier et pouvoir montrer ce que je fais et comment je le fais. Et ça a été par le biais de la possibilité de lui donner à, donc ce côté plus touristique. En plus de cela, par le biais du travail que j'ai fait pour Copart ou avec Copart, j'ai connu bien plus mon domaine. J'ai connu beaucoup de gîtes, de centres de tourisme rural qui ont beaucoup de possibilités et beaucoup d'artisans qui travaillent ensemble. Et voilà, et maintenant nous sommes rendus compte que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Alors, ce qui est important aussi, la visibilité qu'on nous donne, pas seulement à moi-même, mais aussi à d'autres artisans. Donc, je ne sais pas, c'est difficile de faire de la communication, du marketing, puisque l'artisanat, c'est un travail vraiment très laborieux. C'est compliqué de tout faire, de toucher à tout. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en exergue parce que je suis vraiment très, très, très reconnaissante. Molt bé. Moltes gràcies à l'Anna Parga per enviar-nos a... Merci beaucoup. Merci beaucoup à Anna pour Parga nous envoyer ce témoignage. Elle nous parlait donc de la visualisation de l'artisanat qui est un des objectifs du projet et qui nous parle d'un des points forts de Copart, c'est-à-dire le parcours transfrontalier le parcours transfrontalier des intervenantes qui vont nous parler maintenant et qui précisément sont là pour soutenir l'artisanat et qui donc ont mis leurs produits en valeur dans les différents marchés touristiques. J'aimerais donc vous présenter d'abord Sylvia Fabregas de la députation de Barcelone. Il s'agit d'un des partenaires du projet Copart qui a donc impulsé la création de cette plateforme. Et il y aura aussi Céline Despons qui va compléter l'intervention de Sylvia et Ilma Vaivé de DCB qui nous dira comment nous pouvons, grâce à tout cela, nous rapprocher des opérateurs touristiques parce que c'est notre objectif final. Pouvoir donc faire en sorte que les artisans parviennent à tout le monde. D'abord, Sylvia, qui représente le département de commerce auprès de la députation de Barcelone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, Sylvia. D'abord, je vais essayer donc de partager avec vous mon écran. Est-ce que j'ai la permission, l'autorisation pour partager? Oui. Sí, quan tinc obert el PowerPoint, vale. Torna a Zoom et... Vous aurez ouvert votre PowerPoint. Il faut que vous reveniez sur Zoom et alors activez à partir du bouton vert. Alors, oui. Si, à l'arrivée, si. Merci. Oh, parfait. Voilà. Maintenant, écran complet et ça y est. Non. C'était en bas. En bas, ah, d'accord. Oui, ah, c'est là, exactement. Parfait, alors c'est.
Parfait. Bien, alors j'irai très vite parce qu'apparemment on a beaucoup de retard. Bien, Meritxell, il vous a déjà expliqué une partie importante de cette initiative, de l'élaboration de ce site web. Ce web nous montre des parcours d'artisanat en Catalogne et en Occitanie. Et l'objectif de ce site web était de mettre en valeur les produits des entreprises d'artisanat artistique et du marché durable aussi. Donc, c'est un peu ce que nous avons abordé pendant toute l'après-midi. Ah, c'était juste à l'envers. Voilà, maintenant. Oui, alors comme je disais, l'artisanat, comme l'a dit Soledad ce matin, est une ressource très compétitive et très importante pour les territoires parce qu'il s'agit d'un secteur qui est associé à la qualité du produit, le lien territorial et les critères de durabilité. Nous nous sommes donc posé la question, que devons-nous faire pour mettre en valeur ces entreprises et en même temps faire en sorte que le marché touristique soit beaucoup plus durable? C'est à partir de là que nous avons décidé de transformer la production artisanale en une expérience touristique. Nous avons donc ouvert les portes des ateliers, nous avons créé des parcours dans ces ateliers et nous avons aussi élaboré un récit clair et concis à partir de l'option de l'optique touristique. Ces parcours devaient pouvoir être expliqués aux visiteurs. Et je vais maintenant vous expliquer un petit peu ce que vous trouverez sur le site web. Sur le site web, vous trouverez les offres de produits touristiques liées à l'artisanat d'art en Catalogne et en France. Vous allez également trouver des expériences touristiques d'ateliers d'artisans. Vous allez trouver des artisans et des artisanes qui travaillent dans nos villages et dans nos villes. Et vous allez également découvrir des territoires qui sont très près de chez vous. À qui s'adresse le site web? À un public final, aux artisans et artisanes qui souhaitent connaître ce que font d'autres artisans, aux agences et bureaux de tourisme de l'administration, aux entreprises privées souhaitant commercialiser les paquets touristiques et qui souhaitent donc ajouter ces parcours à leurs paquets. Le web est accessible depuis n'importe quel dispositif. Pour l'instant, il est en catalan et en français, mais à partir de la semaine prochaine, nous espérons pouvoir donc avoir ces informations en espagnol également. Donc, si vous êtes un artisan ou une artisane, vous devez tout simplement envoyer le formulaire et nous le dire. Et voilà, hein, j'ai terminé. Je suis allée très vite. Je voulais tout simplement remercier Meritxell, sa participation. Elle a fait un travail énorme afin de pouvoir introduire toutes les données. Merci aussi à la conceptrice et à la rédactrice des textes, à Anna Pijuan. Et voilà, ici vous pouvez voir le lien. Si cela vous intéresse, vous pouvez chercher sur Fait et le courrier électronique pour tous ceux qui souhaiteraient des informations et qui souhaiteraient savoir comment partager leurs produits touristiques. Parce que nous avons peu de temps, je vais maintenant passer la parole à Céline, c'est ça? Oui, Céline. Oui, Céline terminera donc la présentation de la plateforme. Céline, vous avez merci la parole. Merci Sylvia, merci. Alors, je vais aller directement pour vous partager mon écran. Est-ce que vous le voyez correctement? Alors, par contre, je ne sais pas comment vous le mettre en plein écran. Puisque... Oui, Céline, juste en bas à droite, dans PowerPoint, juste à côté du moins et le plus du zoom. Voilà. Oui. Ah oui, tu as le petit... Oui, tu... voilà, pardon. Voilà, oui, puisque... Alors, et j'affiche... Diaporama. Est-ce que c'est mieux pour vous? Il faudra changer paramètres. Ah, les paramètres. Voilà.
on va y arriver. Moi qui voulais passer rapidement. Merci beaucoup. Bon, comme vous l'avez compris, comme on a un petit peu de retard sur le timing général et notamment par rapport à notre traductrice, donc je synthétiserai mes propos et de toute façon, nos collègues Méristel et Sylvia ont largement évoqué notre projet qui était, vous l'avez compris, le projet principal, la réalisation principale de notre projet CopArt depuis 3 ans avec l'exposition virtuelle qui a été présentée par Orgel tout à l'heure. Juste pour vous rappeler qu'en Occitanie, comme ça a été rappelé par le président Serge Travier ce matin, nous avions entre guillemets une antériorité sur ces questions-là, puisque depuis 2008, nous travaillons sur ces sujets par rapport au tourisme expérientiel et le fait de favoriser ou d'inciter, si je puis dire, les touristes à aller appelle, ou c'est ce qu'on appelait en 2008 le tourisme des découvertes économiques. Aujourd'hui, effectivement, on parle plus de tourisme expérientiel et c'est bien là le sujet qui nous a intéressé pour redéployer finalement ou donner une nouvelle échelle à notre route des métiers d'art Occitanie à l'échelle transfrontalière. Donc, je vais passer assez rapidement sur notre ambition. Vous l'avez compris, ça a largement été évoqué cet après-midi. L'idée maîtresse, finalement, c'était d'associer l'artisanat d'art au tourisme durable et notamment par le biais, de façon très concrète, d'une approche plus spécifique sur le tourisme expérientiel et créatif. C'était aussi l'idée et l'ambition partagée de créer, finalement, d'offrir une nouvelle offre touristique qui favorise l'apprentissage, notamment le fait de vivre une expérience au sein des ateliers que nous avons commencé à rassembler sur ce site. L'idée aussi, finalement, que nous, acteurs touristiques que nous sommes, nous devenions non plus spectateurs seulement, mais que nous vivions également une expérience. Donc, la route des métiers d'art, Méristel et Sylvia vous en ont parlé, la route transfrontalière. Je terminerai juste sur cette partie-là avant de lancer la vidéo promotionnelle que nous allons pouvoir vous diffuser aujourd'hui pour que vous compreniez ce que vous allez retrouver sur cette route transfrontalière. C'est effectivement une nouvelle destination touristique qui nous permet aussi de réaffirmer la place que l'artisanat d'art tient finalement comme une valeur à la fois identitaire pour nos territoires, dans nos cultures et dans nos vies quotidiennes, et d'affirmer aussi la singularité de nos destinations touristiques, de notre destination touristique franco-catalane, occitane-catalane. Alors, je termine sur cette phrase clé, « Révélez-vous par l'expérience créative et intime de la matière ». Vous allez voir qu'avec la vidéo que Jonathan va nous partager maintenant, qui est la vidéo promotionnelle de la route transfrontalière que nous venons de créer, vous allez retrouver finalement tous ces items, toutes ces idées maîtresses, ces idées forces que nous avons souhaité véhiculer à travers cette vaste opération. Et nous vous souhaitons, vous avez compris, une belle vie et nous sommes là pour alimenter à vos côtés cette route transfrontalière et accueillir le plus grand nombre possible à la fois d'artisans d'art et d'expériences touristiques à l'avenir. Merci à tous. Jonathan, est-ce que tu peux lancer la vidéo si tu y arrives? Merci.
Merci beaucoup. Muchas gracias, Céline. Merci beaucoup, Céline. Je pense que cette vidéo est très évocatrice et même si brièvement, je pense que c'est une vidéo qui montre très bien comment Copart met à disposition des artisans et artisanes catalans et de l'Occitanie toutes les possibilités. Et maintenant, une dernière partie absolument fondamentale pour pouvoir atteindre notre objectif de faire en sorte que les visiteurs, lorsque tout cela sera possible, viennent vraiment dans les ateliers. Nous avons donc maintenant l'intervention de Imma Baibé du cabinet de conseil DCB spécialisé en tourisme et concrètement tourisme durable qui va nous expliquer la dernière partie du travail qui est fait et qui veut nous donner également des informations et aussi qui veut nous informer des opérateurs touristiques que nous devons contacter. Et quels sont ces opérateurs touristiques qu'il faut contacter? Parce qu'évidemment, le site web, ce n'est pas une centrale de réservation en tant que telle. Imma, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai très peu de temps, je vais donc essayer d'expliquer ce qui a été fait et ce qu'il faudra essayer de suivre à partir de maintenant, dorénavant. Je vais donc essayer moi aussi de partager ma présentation. D'accord. Oui, je vous vois juste au milieu. Hein? Attendez quelques instants. Bon. Alors, vous nous avez demandé de rendre, de faire en sorte que les expériences Copart soient connues, de les faire connaître donc aux entités et entreprises touristiques. Je ne vais pas répéter ce que Christine et Christelle ont déjà dit. Pour faire connaître les expériences Copart aux entités et les entreprises touristiques, il ne s'agit pas de tout remettre à zéro, pas du tout. Nous avons ici certains exemples du tourisme en Occitanie avec cette magnifique présentation ici, Tourisme Occitanie et métiers d'art Occitanie. Et à Barcelone, la route des métiers oubliés à Barcelone, qui incorpore des informations au sujet de produits d'artisanat, etc. Comme l'ont fait certains des intervenants qui m'ont précédé, je pense qu'il est très important de connaître les matériels qui sont à votre disposition. D'abord, le guide de création de produits touristiques qui a été fait aussi pendant la première phase en 2019 et qui résume un peu, qui nous donne les directrices de ce qui peut être fait et suivi pour concevoir, pour faire reconnaître ces expériences touristiques. Après, il y a deux autres manuels qui ont été créés plus récemment. Ils sont des conseils pour les artisans, pour que les artisans puissent être connus, pour les entreprises commercialisatrices, mais aussi pour pouvoir se rapprocher des entités de promotion du territoire, de développement local, de promotion touristique qui sont prêts et parfois nous ne les tenons pas suffisamment en considération. Voilà une des images qui nous plaisent le plus lorsque nous parlons aux artisans et lorsque nous parlons avec les différentes entreprises touristiques. Et il s'agit donc de travailler afin de créer de bons produits, un bon matériel de base. Mais parfois, nous oublions de communiquer. Donc, sur votre Instagram, dans tous les médias que vous avez, sans doute, le site web est un point de départ très important. Il y en a d'autres aussi, mais les sites web sont indispensables, ainsi que les agences de voyage spécialisées. Qu'avons-nous fait donc pour nous aider? Nous avons identifié ces agences de promotion, de développement, mais aussi les parcs naturels, les parcs nationaux qui offrent d'ores et déjà ces possibilités aux artisans. C'est quelque chose que nous avons pu apprécier à partir des conseils dont parlait Meritxell. Je sais que certains, vous êtes habitués à travailler avec Tourisme Occitanie. Pour d'autres, cela n'est pas si connu. Nous avons fait ici des fiches
que vous pouvez voir. Et là, vous pouvez donc voir qu'il y a toute une partie, un volet consacré aux produits touristiques. Là, vous pouvez indiquer les produits que vous avez préparés. Et il y a aussi un paragraphe consacré à l'artisanat. Au total, 33 fiches qui peuvent évidemment être augmentées si cela nous intéresse. Une autre action aussi que nous avons mise en place, c'est le contact avec les entreprises, avec les agences qui souhaitent connaître ces produits d'artisanat et les commercialiser. Nous avons d'abord identifié plus ou moins 70 entreprises. Finalement, nous en avons choisi 50 qui sont surtout des agences de réception. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit d'agences réceptives, d'agences donc du territoire qui élaborent ces produits touristiques avec une série d'éléments, par exemple une visite ou une participation dans un atelier d'artisanat. Et après, elles vendent cela au client final, un client de proximité ou autre. Et ce sont elles qui ont le contact direct, qui n'ont pas de représentants sur le territoire et qui ont besoin de cette collaboration avec les gens du territoire. Ces fiches que nous avons préparées, vous pouvez voir ici la description, il y a aussi toutes les données de contact, mais aussi donc les informations par rapport à leurs réseaux sociaux. Comme nous l'avons déjà dit sur le manuel, il est très important avant de s'adresser à ces entités de savoir quels sont les sujets qui les intéressent, quels sont les sujets que nous pouvons leur offrir, comment nous pouvons adapter certains des produits que nous avons conçus à ce dont elles ont vraiment besoin. Nous avons aussi beaucoup répété pendant les conseils que tous les artisans ne doivent pas se mettre nécessairement en contact avec les agences. C'est une information qui peut être simplement passé par les bureaux de tourisme, par les bureaux de tourisme intercommunal en France, les bureaux de tourisme en Catalogne. Nous pensons donc que c'est une information qui peut être utile pour tout le monde et qui se baserait sur le fait d'essayer de nous centrer sur le client direct, sur le client à proximité, et faire aussi que à l'international, cela soit connu aussi pour avoir donc un retour. C'est pour ça que j'aimerais remercier aussi Agnès d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Et c'est tout. Si vous avez des questions, nous sommes là à votre disposition. Et merci aussi à toute l'équipe de COPAR d'avoir collaboré dans ce projet qui a vraiment été très important. Oui, et Imma, respire. Parce que nous sommes en train vraiment de faire un très grand effort pour aller très vite, mais c'est parce que ce côté que tu nous as expliqué est fondamental, parce qu'un site web, on ne le crée pas tout seul. Il faut en faire une bonne diffusion. Si nous ne faisons pas une bonne diffusion, le site web ne servira à rien. C'est pour ça que j'aimerais demander aux personnes présentes de faire une diffusion, parce que c'est un outil vivant. C'est un point de départ et sur le site web, vous allez trouver aussi un formulaire, un courrier électronique si cela vous intéresse. Donc, il s'agit d'en profiter. C'est un site web qui va être logé, hébergé certainement dans le web du chef de file du projet. Nous encourageons donc les artisans et artisanes à le rejoindre. Bien, donc je sais qu'il y a eu certains commentaires sur le mur, surtout des remerciements et aussi merci aussi pour la vidéo présentée par Céline. Nous terminons donc la session d'aujourd'hui et nous allons passer à la clôture pour laquelle il y a Jonathan, je ne sais pas, tout d'abord Sklaren Imbeau, présidente de la commission des métiers d'art de la Camar en Occitanie, de la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Occitanie. Sklaren Imbeau,
quand vous voulez. Oui, votre micro est éteint, madame. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci pour l'organisation et les échanges passionnants, les témoignages concrets auxquels nous avons pu assister pendant ce séminaire. Les artistes et les artisans d'art ont depuis des siècles voyagé et en se rencontrant ont mêlé leur savoir-faire à travers le monde et ont trouvé des sources d'inspiration. Et leurs réalisations, leurs œuvres laissent un témoignage du passage de nos civilisations. Nous savons que les politiques et gouvernements changent, mais les œuvres restent. C'est très important. Et le projet Copart poursuit la tradition de ces échanges ancestraux. Nombreux sont les artisans d'art qui travaillent seuls et grâce à leurs témoignages, nous savons qu'avoir des projets collectifs, des échanges entre professionnels, crée et redonne une nouvelle énergie qui est fondamentale dans les phases créatives. Et justement, ce sens créatif est une et la richesse des artisans d'art, mais on constate souvent que ce qui manque, c'est la structuration dans leurs projets, dans les perspectives et la vue d'ensemble. Et cet accompagnement est primordial pour les aider à voir leurs perspectives se concrétiser. Donc, rassembler les compétences, et à ce jour, on le constate à travers le projet CART, est une vraie réussite. Et ce projet a pu voir le jour en mêlant les traditions, les nouvelles technologies émergentes, le design, l'ingénierie, les réflexions sur la commercialisation, la communication, le tourisme expérientiel. Et en un mot, un énorme travail a été fourni de part et d'autre des départements transfrontaliers, mais le résultat est à la hauteur de l'ambition et bravo à tous. Aujourd'hui, de mon côté, je retiens, suite à toute cette journée de séminaire, que l'artisan d'art de demain sera un homme ou une femme détenteur de gestes et de savoir-faire. Il saura les transmettre grâce notamment à ses encyclopédies numériques, mais également sera un artisan d'art inscrit dans son temps qui se servira d'outils numériques pour l'aider dans sa production ou dans ses étapes de production. Je voudrais aussi faire un point sur les apprentis et les apprenants en métier d'art. Aujourd'hui, le public change, évolue. Il y a différents âges maintenant pour apprendre tous nos métiers. Et j'espère qu'ils pourront bénéficier du fruit de ces échanges et rencontrer de nombreux nouveaux artisans d'art sur cette route transfrontalière. Pour clôturer cette belle journée, parce que je crois qu'il faut que j'aille plus vite, je souhaite vraiment de tout cœur que ce programme POCTEFA soit l'initiateur de nombreux autres projets similaires à travers l'Europe et ainsi permettre un maillage, un réseau, une transversalité des savoir-faire à travers, qui sait, une route européenne des métiers d'art. Soyons ambitieux, je crois que nous avons été plusieurs à l'évoquer. Et enfin, en cette période sanitaire difficile où les métiers d'art sont particulièrement impactés, j'espère de tout cœur que lorsque les périodes de confinement seront terminées, nos artisans d'art, vecteurs de tourisme culturel, vecteurs d'identité régionale dans leur production, pourront exposer leur travail et retrouver une vie économique supportable, retrouver un public de consommateurs valorisant les circuits pour les filières locales. Et mon seul regret, moi-même artisan d'art vitrailliste, mais situé hors zone frontalière, de ne pas avoir pu partager cette passionnante expérience en immersion avec vous. Donc, je vous remercie pour tous ces échanges et souhaite une magnifique vie à cette route transfrontalière des métiers d'art et dont chaque artisan partenaire sera, j'en suis sûre, un excellent ambassadeur. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie encore pour cette très belle journée. Moltes gràcies, Esclerent. Donem pas ara a Enric Marquès, alcalde de la Bisbal d'Empordà, un dels socis també del projecte Copart. Enric, alcalde. Passons la parole maintenant à Enric Marquès, qui est un des partenaires du projet Copart. Enric, quand vous voulez, qui est le maire de la ville de la Bisbal. Monsieur Enric Marquès doit allumer, doit brancher son micro, car sinon... Oui, voilà. Parfait. Oui, alors bonsoir à tous.
en tant que représentant du musée Terracotta de la Bisbal, un des partenaires catalans de ce projet Copart, qui nous agglutine, qui agglutine des partenaires français et catalans, j'aimerais dire que nous sommes très fiers d'avoir pu participer à ce projet. Dans le cas de la Bisbal, le projet a été aussi une opportunité pour pouvoir parler aussi avec d'autres partenaires. C'est la première fois que nous participons à un projet avec de telles caractéristiques et l'expérience nous a aidés à voir comment travaillait chacun de nous de façon individuelle, quel était le modèle de relation avec les agents externes et aussi avec les associations locales, les associations de céramistes de la Bisbal. Le projet devait culminer, se terminer avec une réunion à la Biennale Terracotta de la Bisbal pour le 18 et 19 octobre 2020, où nous devions partager des études autour de l'application du 3D avec une foire de l'artisanat. C'était donc un des objectifs du projet européen. Mais malheureusement, tout ceci a dû se faire sans cette réunion présentielle. C'est pour ce, à cause de la COVID. C'est pour cela que nous vous attendons lors de la prochaine biennale qui aura lieu en 2022. Il est évident que la relation tissée entre tous en tant que partenaires après tant d'années de coopération, nous avons pu donc remplir les objectifs marqués par le projet, aussi des espaces d'expérimentation, le début donc d'une route de la céramique, comme nous l'avons vu aussi avec Terracotta Museo, un espace de foire centré sur les modèles européens, ainsi que du design. Nous pensons donc que tous ces exemples nous ont aidés à établir toute une série de synergies que nous espérons maintenir tout au long du temps. J'aimerais donc ici rappeler les différentes sessions de travail de 2018 et le modèle des foires de la Bisbal pendant les premiers mois 2019. Cette ambiance de compagnonnage, la sécurité du travail bien fait que nous avons vécu tout au long des journées de rencontres pendant toutes ces années nous montre que ces projets de coopération sont le cadre dans lequel nous pouvons grandir en tant que municipalité, en tant que chambre d'art et de métier, en tant qu'association. C'est là où nous recevons le soutien des conseils et aussi des départements. L'espace idéal pour impulser et pour connaître nos artisans d'art et nos métiers d'art. Tout cela grâce au projet transfrontalier. Ces projets partagés sont sans doute l'avenir. C'est ceux qui doivent nous permettre de créer des réseaux et de continuer, de protéger et de diffuser notre patrimoine, parce que l'artisanat est un élément indispensable de notre patrimoine. Pour terminer, j'aimerais remercier tout particulièrement le travail infatigable de Céline et de Pilar, en représentant les chefs de file, la Chambre régionale des métiers de l'artisanat de l'Occitanie. Merci aussi à Grazia de la Chambre des Pyrénées, des métiers d'art des Pyrénées. Et merci aussi à Berta du cabinet de conseil Pilar Prospi. J'aimerais les remercier. Nous aussi, nous allons être là pour continuer à collaborer. J'ai essayé d'aller le plus vite possible, mais j'espère que vous aurez pu me comprendre plus ou moins bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Parfait. Et nous terminons donc, nous clôturons avec la dernière intervention de clôture. Nous avons voulu donner la voix aussi à la direction, à la sous-direction de coopération locale de la direction de l'administration locale de la Generalitat catalane, du gouvernement catalan. N'oublions pas que tout ce projet a pu se faire grâce aux fonds européens, les fonds européens du programme Interreg POCTEFA. Et voilà donc Gemma Jordi qui représente cette sous-direction et qui, entre autres fonctions,
au comité de programmation de suivi du Fonds européen de développement régional, le FEDER. Et c'est de ce point de vue que nous remercions aussi notre représentante du gouvernement catalan qu'elle puisse être là. Elle va nous adresser quelques mots de clôture. Oui, merci, merci beaucoup. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Parfait. Alors, parfait, j'aimerais moi aussi vous dire merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité d'être là. Et merci aussi parce que j'aimerais vous dire jusqu'à quel point, depuis le début, nous avons aimé votre projet. Comme vous le savez, la Direction générale de l'administration locale avec la sous-direction générale de promotion économique et de l'économie, nous faisons partie, une partie très active du partenariat et qui participe donc à toutes les commissions et à tous les groupes de travail du POCTEFA. Et depuis un premier moment, depuis le début, nous avons vu le potentiel de COPART. Et sur ce point, nous sommes désolés, mais l'interprétation française s'arrête ici parce que pour des raisons personnelles, nous devons terminer la traduction là-dessus. Nous sommes désolés, nous espérons que malgré tout vous ayez pu suivre l'interprétation simultanée pendant toute la journée de façon adéquate. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci de votre compréhension et bonne soirée. Per descomptar l'aportació de l'expertise en gestió i acompanyament constant d'Activa Prospect. Per tant, moltes gràcies a tots i realment ha sigut un plaer poder fer el seguiment d'aquest projecte i haver ajudat una mica que tiri endavant. Aquest és un exemple de com és important establir sinergies entre actors del territori i teixir complementaritats en el procés formatiu, creatiu i productiu de comercialització i de comercialització dels oficis artesanats com a patrimoni a conservar i transmetre, i fomentar l'artesania com a palanca per al desenvolupament i de com l'artesania pot contribuir al turisme sostenible sense oblidar, evidentment, la importància de la digitalització com a repte per a noves perspectives. Des de la DECAL ens ha agradat molt reconèixer les virtuts d'un projecte com aquest en el marc de la cooperació en general i de la cooperació transfronterera en particular. Esperem que serveixi de bones pràctiques, d'exemple de bones pràctiques per a altres iniciatives semblants. I un cop més, doncs, us agraïm haver-nos donat l'oportunitat d'agrair-vos la vostra feina i el vostre suport. Només com a últim apunt us comentaré que ara ja us avançaré que s'està preparant actualment el nou període. Per tant, és un període que serà bastant diferent, però estem tot el partenariat treballant intensament per poder tenir enllestit el programa operatiu tan aviat com sigui possible. Ara tot just encara estem en el punt de la concentració temàtica i d'establir les prioritats d'inversió dels territoris, per la qual cosa molt aviat ens posarem en contacte amb tots vosaltres, amb tots els sectors del territori, per poder copsar de primera mà doncs, les vostres necessitats i els vostres interessos per tal d'afilar el màxim de prim en el proper període 21-27. Doncs no us podem donar encara més detalls perquè, com us dic, està tot encara amb estat, però sí que us puc dir que estem treballant intensament amb la voluntat de poder tenir el programa operatiu al llest. Segurament al llarg d'aquest any, potser després, just després de l'estiu, i poder preparar la nova convocatòria. Gràcies de nou i bé, esperem doncs, que seguiu treballant i poder seguir treballant i estem a la vostra disposició per qualsevol cosa que pugueu necessitar. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Jo crec que sí que tant de bo, com deia l'alcalde de la Bisbal, no? Tota aquesta relació que s'ha teixit, no? Amb aquests 3 anys de projecte, més any i pico abans de preparació i tot plegat, doncs que puguem, no? Donar-li noves sortides, nous fils, nous recorreguts.
Doncs, sense més, agrair moltíssim la participació de tots els que heu intervingut i també molt especialment a l'equip tècnic que hi ha darrere d'aquesta sessió d'avui. Vull agrair molt al nostre regidor, en Jonathan, a l'equip de traducció, perquè sense ells això hauria estat impossible. I res més, moltes gràcies i esperem que ens veiem aviat. Adéu. Adéu-siau. Adéu a tots. Adéu-siau.